Donc, concernant les étapes, nous avons déjà signé le partenariat avec le propriétaire de la technologie, à savoir l'entreprise russe Gamaleya, le front russe qui appartient au front russe. Nous avons signé le transfert de technologie. Nous avons mis, alors par rapport aux exigences de ce vaccin, l'usine qui y répond le plus et qui attend, c'est l'usine de Constantine qui était supposée faire des flacons d'insuline, mais comme le flacon a perdu sa part de marché, nous allons la transformer en production de vaccins. Donc je vous dirais que par rapport à la préparation, nous sommes prêts à 70% par rapport à l'équipement de l'usine pour partir de bulk vers la répartition dans les flacons. Cela peut se faire exactement dans les délais qui ont déjà été annoncés par M. le ministre, à savoir septembre 2021.